À la confiscation des médias de Côte d'Ivoire par un clan, une oligarchie qui semble se venger du fait que le peuple de Côte d'Ivoire leur a résisté pendant 17 ans avant de tolérer leur accession à la magistrature suprême. Une génération de peuples solidaires qui ont pris votre vie. En trois points, vous me connaissez, je recommence toujours. Premier point, nous sommes en 2020. Ce que nous observons en Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens et tous ceux qui sont régulièrement devenus Ivoiriens sont en train d'être exclus de la détermination du destin de la Côte d'Ivoire. Autrement dit, un homme et son clan vivant entre Assimi et la France n'auront jamais au con ni un nous. Cet homme-là confisque aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Pendant que les grands fils de la Côte d'Ivoire sont soit en exil, voici plus de 7 ans qu'un grand homme d'État de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Koudou-Bagbo, est maintenu en exil. Après avoir donné la preuve suffisante que la crise ivoirienne était un affrontement fratricide et non pas la décision unilatérale d'un camp d'éliminer tous les autres. Nous l'avons combattu. Il s'est soumis à la justice internationale. La justice a acquitté des charges qui étaient retenues contre lui. Et qui c'est qui le retient en otage à l'étranger? Alassane Dramane Ouattara. De ma génération, ancien secrétaire général du grand syndicat des étudiants de Côte d'Ivoire, comme beaucoup de mes compagnons dans les années 90, est maintenu en exil après avoir donné la preuve que les charges qu'on pourrait retenir contre lui ne sont pas légitimes. Et à lui, comme président Bagbo, on annonce que s'il met l'État en Côte d'Ivoire, après combien d'années de prison, et qui fait un nom sur lui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Le 23 décembre 2019, un brave fils de la Côte d'Ivoire, dont on connaît le père et la mère, dont on connaît les collègues, le collège, le lycée, l'université, le syndicat et le parcours politique, a été interdit de mettre les pieds dans son pays natal, la Côte d'Ivoire. Des députés sont en prison, des intellectuels en prison, des militants innocents en prison. Qui est-ce qui a fait tout cela? Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Je dis donc que, sur le premier point de mon message, on retiendra ceci. Alassane Dramane Ouattara est le plus grand facteur de déstabilisation de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est le premier message. Deuxième message. Quand on a Alassane Dramane Ouattara, nous allons entrer maintenant dans son cerveau. Nous allons habiter sa pensée. Nous allons penser sa pensée. Afin de déconstruire cette pensée et de la détruire. Alassane Dramane Ouattara pense qu'il a eu le temps de constituer une milice, ses escadrons de la mort,
contrôlé par son petit frère. Télé Dilahima Ouattara, ministre ubuesque des fantasmes barboniques, et frère présidentiel, comme si son frère n'était pas déjà président, lui le ministre des affaires présidents, c'est-à-dire des affaires de son, et puis pendant ce temps-là, ni aller à l'État. Ce monsieur croit qu'il a constitué une milice. Cette milice intimide la gendarmerie ivoirienne. Cette milice intimide la gendarmerie ivoirienne. Cette milice intimide la police ivoirienne. Tous les corps habillés ivoiriens ont peur des escadrons de la mort. D'Alassane Ouattara contrôlé par son frère et par le préfet Traoré Bassirikou. Et toute cette bande qui se promène en Kaboul pour entrer en plein jour dans les maisons des Ivoiriens, les traumatiser, les blesser, les frapper, les déporter, les tuer. Eh bien, à la tête du corps, avec cette milice, il va soumettre le peuple de Côte d'Ivoire en esclavage. Et la scène te dit ceci. La milice en question ne peut être combattu que par étant-il un coup d'État. Et quoi qu'il en est arrivé à inventer des coups d'État. Parce qu'à la fin, c'est ce qu'on appelle le pyromane pompier. Il organise le coup d'État, il fait le coup d'État, il combat le coup d'État, il condamne le coup d'État et il profite du coup d'État. Donc lui, son plan, c'est quoi? Il fallait absolument trouver une accusation contre le PDCIRDA. On a pris les machettes et les fusils calibre 12 qui ne peuvent même pas tirer. On a mis dans la maison de Jacques Mambois, on a arrêté Jacques Mambois, on l'a mis en prison, en accusant le PDCIRDA, victime du premier coup d'État. Dans la salle de Mambois, en 1999, on accuse le PDCIRDA d'avoir organisé un coup d'État. La méthode du pyromane, le but étant de paralyser le PDCIRDA, de l'empêcher de candidater avec son excellence Aimé Henri Kouamouté et toute personne de son choix. À la fin, c'est une dit, j'ai un caillou dans ma chaussure. Un caillou politique. Un caillou insaisissable et glissant qui est dans ma chaussure. Qui est-il? Il a dit, c'est ce qui va faire hier. Donc, j'ai organisé un coup d'État. Il a organisé un coup d'État, il a attribué un solo pour chasser un solo de la Côte d'Ivoire. Bon, et là, c'est ma dernière idée. À la seule sens que c'est un coup d'État que les gens vont organiser pour le faire tomber. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les Ivoiriens, par-delà les régions, par-delà les religions, par-delà les idéologies, par-delà les partis politiques, il y a un matin qui va sortir et puis à la salle, fini. Il y a un matin, le peuple de Côte d'Ivoire, les civils de Côte d'Ivoire, c'est pas un coup d'État qui va les faire partir, hein. Ce sont les Ivoiriens qui vont partir, à la salle Dramane Ouattara. Pourquoi? C'est le but de ce meeting. Ce meeting, on le peut dire aux Ivoiriens, c'est vous qui allez faire partir à la salle Dramane Ouattara. Et je conclue là-dessus, le peuple qui va se passer comme ça a commencé ici aujourd'hui, Alassane ne pourra pas organiser une autre mélancolie. Wow. En plus, qui est responsable de la libération du peuple Côte d'Ivoire dans la salle de la c'est lui. Avec le peuple de la partie ce n'est pas un coup d'État. Et lui, à sa place, il vient de Merci pour ça. Merci pour ça.
5 qui émettent donc le son, empêchent que le son s'est pas vu et ça passe en fait. Donc tu vois devant les ancêtres, le son, parce que le discours passe comme le mien, il est en train de passer. Voilà.